À 10 km à peine de San Francisco, la ville d'Oakland abrite le port le plus important du nord de la Californie et l'une des populations les plus diverses de tous les États-Unis. Avec un déficit de 58 millions de dollars et après un scandale de corruption dans la police, Oakland a vu ses effectifs de maintien de l'ordre décimés. Réputé pour avoir moitié moins de policiers que les autres, la ville s'enfonce dans la violence criminelle. Au mépris de la loi, les sideshows se multiplient, se terminant souvent dans la violence. Les échanges de coups de feu se produisent dans la rue en plein jour. Je suis coincé dans ce fauteuil, j'ai pris 7 balles. Je voulais faire partie de la rue, maintenant je suis là-dedans. Red s'est fait tirer dessus pour une affaire de territoire entre dealers. Des mecs se sont arrêtés, et puis ils m'ont dépassé. J'ai pas fait gaffe à eux, je les connaissais. Ils sont revenus en arrière vers moi, ils m'ont tiré dessus, et ils m'ont tabassé. Mais ils ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, sinon je serais plus là pour vous parler. C'est comme ça que ça se passe. Faut faire avec maintenant. Ces agresseurs vivent à quelques blocs seulement et peuvent revenir à tout moment. C'est toujours à cause de ça, la drogue. Ce sera comme ça jusqu'à la fin du monde. On est en roue libre ici, tu vois. Ouais. Red a été pris pour cible dans la cité la plus malfamée d'Oakland, Acorn. Nous, Acorn, on dit que c'est le sigle pour attention, concentration de racailles ninja. Ici, la drogue et la violence font partie du quotidien. On t'amène dans le piège. Il y a un piège dans le piège. Tu vois ce que je veux dire? Et le chaos règne. Yo, mec, on va te montrer comment on prend notre kiff ici avec l'oseille et la drogue. T'as vu? On a du Roxy. Ouais, mec. On a du Roxy, on appelle ça comme ça. J'ai pris une bastos dans la tête à cause de ça, je te jure. C'est trop le kiff, ce truc. Ça, c'est de la prométhazine, avec de la codéine. Ça déchire comme les rots. On appelle ça le jus de gorille. Ouais, on appelle ça le jus, mec. Comment ça fait kiffer? Ça, c'est de la coke en poudre. Nous, on appelle ça le lève-vitre, mec. C'est comme quand t'es dans ta caisse et que tu fais marcher le lève-vitre. C'est pareil, quand tu sniffes, tu fais marcher le lève-vitre. Ouais, c'est ça. Le lève-vitre. On n'a que du top ici. C'est pour ça que cette ville, on l'appelle Cokeland.